La princesse Eugénie a toujours été très active sur les réseaux sociaux depuis la naissance de son fils Auguste. Elle partage plusieurs photos qui ne manquent pas de faire déverser les likes des fans. Dernièrement, la princesse a partagé une vidéo d'Auguste en train de câliner un requin en peluche pour célébrer la Journée mondiale des océans. La princesse est actuellement installée à Frogmore Cottage, Windsor. Engagée, la princesse s'est exprimée sur Instagram à propos de la Journée mondiale des océans. Il est à noter que la princesse Eugénie est l'ambassadrice de la Blue Marine Foundation. Sous la photo de son fils, elle a écrit comme légende, une journée pour sensibiliser à quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies. Et une journée pour faire des câlins aux requins en peluche. Nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous tous. Du haut de ces 4 mois, le prince Auguste fait fondre tous les cœurs. On le voit jouer avec son requin en peluche dans la vidéo qu'a postée sa mère sur Instagram. Les fans ont également pu apprécier sa douce petite voix pendant qu'il est en train de gazouiller joyeusement tout seul, assis dans son transat. Le prince Auguste Philippe Hockbrooksbank est actuellement au 12e rang dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Avec l'arrivée de la princesse Lilibet Diana, le prince Auguste voit sa place, qui était au 11e rang, décalée. La princesse Eugénie, très proche de Meghan et du prince Harry, n'a pas manqué d'adresser ses félicitations au couple. Son message sur Instagram a été l'un des plus doux adressés au duc et à la duchesse des Sussex. La princesse Eugénie a écrit « Félicitations, cher cousin. Nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous tous ».